Consécutivement, ancienne route de San Maqueux montre superbe scène. Si vous marchez directement, tu seras étonné la belle apparence de l'ancienne route de San Maqueux. Si tu vas un peu plus loin, tu rencontreras grotte de Fox Ren Rock. Selon la légende, dans le passé afin d'éviter Fox Ren, c'est-à-dire une pluie soudaine en été, on dit que beaucoup de gens l'ont utilisé en passant par l'ancienne route de San Maqueux. Ceci est un espace où une ou deux personnes peuvent entrer afin d'éviter la pluie soudaine. À côté de cela, il y a un ruisseau, coulant des rochers de la montagne et montrant la vitalité des montagnes. L'écoulement de l'eau qui a commencé au sommet de la montagne joue un rôle très important dans l'écosystème de l'ancienne route de San Maqueux. De nos jours, de nombreux développements ont été réalisés dans de nombreux domaines. Il existe donc de nombreuses zones où l'environnement a été détruit. Ancienne route de San Maqueux a bien préservé l'environnement naturel et a conservé son aspect antérieur. Cela nous montre de beaux paysages. La caractéristique remarquable de l'ancienne route de San Maqueux, c'est la bonne harmonie de montagne et d'un lac. On peut dire que c'est une merveilleuse combinaison de montagne et d'un lac. Il nous offre une vue magnifique. De nos jours, de nombreux développements ont été réalisés dans de nombreux domaines. Il existe donc de nombreuses zones où l'environnement a été détruit. Ancienne route de San Maqueux a bien préservé l'environnement naturel et a conservé son aspect antérieur. Cela nous montre de beaux paysages. La caractéristique remarquable de l'ancienne route de San Maqueux, c'est la bonne harmonie de montagne et d'un lac. On peut dire que c'est une merveilleuse combinaison de montagne et d'un lac. Il nous offre une vue magnifique. San Maqueux Old Road, San Malongui Gil, le village de la ville natale, est situé dans le village de Saorang, Ezari, Chilseong Nyeon, Goe Sangun, Chungcheong Bukdo, Corée. C'est une ancienne route d'une longueur totale de 10 ri qui reliait à la montagne village de San Maqueux. C'est un sentier pédestre qui a été restauré comme pour tracer l'ancienne route qui reste comme une trace. Une méthode écologique pour réaliser la plupart des anciens tronçons routiers dans des supports en bois, terrasse. Non seulement cela minimise les dommages environnementaux et montre la beauté naturelle telle qu'elle. La beauté des montagnes, de l'eau et des forêts le long de l'ancien chemin de montagne est un endroit qui peut être considéré comme le point culminant de Gesan. Barrage de Goesan, achevé pour la première fois au début de 1957 utilisant une technologie purement coréenne, et symboliquement c'est devenu une fierté pour la région. La zone autour du barrage est encore plus précieuse car il préserve un écosystème naturel intact. San Maqueux Old Road. Construite le long du barrage de Goesan selon une construction respectueuse de l'environnement méthode, se fond dans le lac du barrage de Gesan. Les personnes qui visitent la vieille route de San Maqueux peuvent profiter de la beauté naturelle de la Corée sans être dérangées. Tout le monde tombe amoureux de cet endroit. Partout où vous allez dans la région de Goesan, il y a de nombreuses vallées avec des brises rafraîchissantes, de l'eau claire et des forêts verdoyantes. C'est une fierté que seul Goesan possède. Elle est considérée comme une marque déposée représentant Clean Goesan. Quiconque est allé à Goesan sait que c'est le meilleur du pays, avec sa propreté et sa splendeur naturelle à son apogée. Tout le monde peut le ressentir. À Gesan, un autre lieu célèbre appelé San Maqueux Old Road est né. La brise fraîche de la montagne avec le parfum des buissons rencontre la douce rivière brise. Si vous parcourez ce chemin, vous pouvez ressentir la nature telle qu'elle est. Si vous êtes en amoureux, c'est ouvert, mais ça devient un cours de rendez-vous juste pour vous deux. Présenté par la nature. Si vous marchez entre amis ou en famille, votre cœur sera influencé par les étapes synchronisées. San Maqueux Old Road, l'une des principales attractions touristiques, est connue dans tout le pays.